Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est le blanchisseur. Ah, c'est vous? Oui, c'est moi. Je suis venu pour les habits. Ah, pour les habits? Oui. Tu laves bien? Très bien madame. Mais string là, je ne veux pas avoir des taches. Hein? Madame, c'est moi, je lavais les habits d'Obama quand il était encore à la présidence. D'Obama? Oui. T'es sûr? Tu ne me blagues pas. Même si vous allez à Jérusalem aujourd'hui, vous demandez d'après tranquille. Hein? Mm. J'ai lavé tous les habits de tout le monde là-bas. Ah, d'accord. C'est parce que là, il y a... Madame, je veux bien laver. C'est ça que j'ai étudié. À l'école, la blanchisserologie. Eh, oui, très bien, madame. Je connais mon travail. J'ai des strings blancs. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ça va devenir comme... comme la neige. Oui. D'accord. Donc, je vais me mettre où? Je vous mets, oui, okay. Je vais m'ajuster. De son infidélité. 10 enfants dehors et 5 à la maison, il n'arrivait pas à s'en occuper. Je suis fatiguée. Oui, j'ai mis ça dans le riz. Oui, maman, s'il mange ça là, il sera impuissant. Finis les enfants dehors. Ah non, il va bien s'en occuper de nous maintenant. Non, s'il mange quoi? Attends, maman. S'il mange le riz. Hey, hey, Bamio. T'as mangé ça? Dame. Il sera impuissant. Les gens mettent médicaments d'argent dans le lit de leur mari. Toi, tu t'en vas mettre médicaments d'impuissance. Hein? Non, moi, je vais devenir impuissant maintenant. Hein? À cause de ça, c'est même enrichi. Moi, je vais devenir impuissant. Non, je vais adopter les enfants maintenant. Je vais adopter. Dieu des adoptions. Je vais adopter.